Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment, avec Optima Express, nous allons pouvoir mettre à cheval sur ces deux couleurs le livre ainsi que le titre. Et cela va nous donner un résultat comme celui-ci. Nous nous rendons sur le constructeur de page. La première chose que je vais faire, c'est d'aller dans la partie section. Nous voyons que je suis bien dans la section, c'est indiqué ici et c'est indiqué ici. Deux possibilités pour déplacer tous ces éléments. Je clique sur la petite flèche qui se trouve à gauche. J'ouvre cette partie et je peux jouer avec l'élément qui est ici. Vous voyez que si je le descends, je peux jouer avec l'élément. Donc ça, c'est une première solution. Deuxième solution, celle que j'utilise la plupart du temps, c'est de venir mettre la souris. Vous voyez que là, j'ai une flèche qui donne en haut, en bas, et je peux jouer avec les éléments et je suis beaucoup plus à l'aise avec cet élément pour travailler de cette façon-là. Je peux aussi, bien évidemment, travailler avec la partie qui se trouve à cet endroit, qui s'appelle colonne. Je vais donc descendre cette information pour la mettre comme ceci à peu près et je vais ensuite revenir dans la section ici pour remonter cet ensemble et faire en sorte que le livre soit beaucoup plus haut et beaucoup plus à cheval sur les deux. Je peux bien évidemment jouer avec tout cela. Il va de soi que le fond qui se trouve ici se doit d'être de la même couleur qu'ici pour qu'on n'ait pas à cet endroit du blanc. Vous venez de voir en très peu de temps comment on peut mettre en place des visuels, des titres à cheval sur deux couleurs différentes. Maintenant, à vous de jouer. Vous avez beaucoup de possibilités et je suis sûr que vous avez déjà des idées de comment vous allez pouvoir utiliser cette astuce. Excellente journée à vous et à très bientôt.